soeur, je suis ça, j'aime ça. Le prochain défi pour toi, c'est quoi? C'est Yvon et Stéphane, le boss. Moi, je refuse rien. Non. Comme toujours, j'ai jamais refusé rien. Je suis un guerrier. Amenez-moi quelqu'un, je m'en bats compte. Guerrier des temps modernes. All right, Mathieu, j'ai juste deux tweets, ça sera pas long quand même. Okay. Comment tu as vu le combat? Il y a des juges qui avaient un combat qui était très serré, un juge qui n'avait pas eu de combat serré. Comment toi tu as vu ça? Moi, je crois que j'ai perdu un round ou deux. C'est toujours comme ça. Je l'ai dit à Stéphane dans le coin, c'est bien split. Chaque fois qu'il y a un boxeur qui va vers l'avant, ça m'est arrivé à deux reprises. Bon, un combat contre un gars, je pense qu'il s'appelait Jiménez, il a dominé, ça finit split. Contre Laguette, ça finit split. Aussitôt qu'il y a un boxeur, c'est-tu le blanc? Aussitôt que ça va vers l'attaque, quelqu'un va vers l'avant. Il y a un juge qui favorise ça. À mon sens, Mathieu, j'ai pas l'impression que son attaque était tout le temps efficace. Que je t'ai donné pratiquement toutes les rounds. Aussi, c'est ça que j'avais dit. Ton plan de match était-tu d'attendre qu'il s'épuise dans les 4-5 premiers rounds puis de le noyer dans les derniers rounds? Ouais, moi, c'était le plan. Stéphane, il voulait qu'on monte, qu'on l'amène à l'école, qu'on montre qu'on est un boxeur d'expérience. Il n'a jamais fait de 10 rounds. Fait que oui, on savait qu'il y avait les mains lourdes. Stéphane voulait qu'on jobbe beaucoup, qu'on attende au début. Ce qui n'est pas mon habitude. Les gens sont pas habitués. Les gens sont habitués de me relancer beaucoup. Dernière j'ai question. Pas prendre de risque, puis j'ai pris mon temps. Mathieu, tu vas ébranler avec des mains droites quelques fois. T'as-tu tenté le knockout ou t'as été plus prudent? Non, j'ai été plus prudent, puis je l'ai dit à Stéphane, j'aurais dû des fois capitaliser, puis essayer de terminer mes attaques quand j'ai fait mal. Ça, c'est mon erreur, mais écoute, il y a tellement de changements avec l'entraîneur, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je pense qu'il y avait un peu de Stéphane Larouche aujourd'hui. On va voir encore plus le prochain. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, j'ai une question pour toi. On a senti dans le milieu du combat, nettement une baisse d'énergie de ton adversaire. Oui. Après, on l'a vu vraiment revenir, il a rebondi. Comment tu l'as senti un peu toi-même quand tu as vraiment vu que bon, tes coups rentraient plus? Comment tu as réagi à ça? Justement, j'ai pas assez capitalisé. T'sais, c'est tout du nouveau pour moi. Puis je l'ai même dit à Hugo, on a parlé, parce que c'est un nouveau moi. J'étais habitué d'avoir les mains lancées beaucoup. C'est difficile pour moi d'attendre. T'sais, d'être patient, de feinter, de jabber. De t'en tenir à la stratégie. Oui, j'aime la bagarre, j'aime ça. Bagarrer sans me faire toucher, lancer en combinaison. Stéphane, il me calme au gym, il me calme sur le sac, il me calme ses pads. Quand on va arriver avec l'élite, on peut pas lancer comme je lançais avant. On doit choisir nos coups de poing, être calme pour arriver dans les 12 rounds. On se prépare pas pour ce combat-là, on se prépare pour les futurs combats avec l'élite mondiale. C'est ça qu'on fait. Est-ce que tu restes un peu dur à la fin du combat? Ouais, j'étais pas fatigué. Tu vas retourner où ce que tu étais, tu vas retourner à ta place. T'as-tu quelque chose? T'as-tu un plan de match avec Stéphane? T'as dit Yvon aussi qu'ils vont coller à la shot, mais toi, c'est quoi tu vois? Moi, ce que je veux depuis que je suis jeune, là, c'est tailler une place dans le top 15 mondial. Et de recevoir un bel appel téléphonique d'un combat en Angleterre aux États-Unis. Puis d'aller là-bas, d'aller dans le terrain ennemi, d'aller avec mon équipe, d'aller avec Hugo, d'aller avec mon team. Si y était, je suis certain que tu vas y retourner. Félicitations, Mathieu. Félicitations, Mathieu.